Eh bien, salutations tout le monde, c'est N27 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Life of Pi. Donc, on est à l'acte 7 et on va continuer. On a eu le petit raccourci dans le précédent épisode juste ici. Donc, on va maintenant aller à l'étage d'en dessous. Nous avons acheté à la fin de l'épisode précédent les items chez le marchand Lusla. Tell me what you need. Ouais, nous avons acheté ces deux petits objets. Donc on a équipé l'amulette. Donc on va aller voir ce qu'elle fait de beau. Normalement, elle est censée nous mettre plus de résistance dans cet endroit. C'est pas ici. Ah, si c'est pas ici, je me demande où c'est en fait. Ah, c'est peut-être en face. Juste en face. Ok. On va le faire venir lui. Bon. Alors c'est peut-être ici la clé. Ah c'est ça. Allez, ouvre-moi ça. Là, on va s'activer la lumière quand même. Ok, vas-y là, c'est lui qui me faut que tu me vises. Ok, alors là-bas, putain, je vois plein de trucs là bouger. C'est génial, j'ai de nouveau un rayon de soleil en plein dans la télé. C'est impeccable. Le classique. Est-ce qu'il y a un truc qui va me tomber? Non, il n'y aurait pas. Allez, viens me rusher dessus. Ok, ça va, il n'y a que lui pour l'instant. Ouais. Bonne petite allonge cette faux. Alors qu'on enlève aussi cette zone de merde là, le truc au sol. Et on peut. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Après une journée de merde, on se détendre sur Last of Pi. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Après avoir une journée plus qu'insupportable, se détendre sur un jeu comme ça. On verra bien. C'était une bonne idée. Alors on a eu le petit raccourci juste ici. Donc. Petit raccourci. Ok, ok, ok. En train de me poser des questions. Ok, bon, c'est un raccourci, mais bon. Sans grand intérêt, j'ai envie de vous dire. À la limite, peut-être que. Voilà, peut-être qu'ici, il y a une grande zone à découvrir. On verra bien. Déjà, je sens le plan cul ici. Déjà, là, sur ma gauche, ça va m'attaquer. On va prévoir le coup. Ouais, normalement, ça va bien attendre que je sois au milieu pour venir m'attaquer. Dans le dos. Ouais. Bizarre que ça m'attaque pas. Ma foi. J'y crois moyen. Vu le mur comme il est. Peut-être pour plus tard. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a un type là juste derrière. J'entends des types par contre sur ma droite. Genre là d'abord derrière. Vous pouvez pas sortir vous? Ça me paraît louche là toutes ces cages et tout sans que les ennemis puissent sortir.
Voilà, bah génial. Ah d'accord, à travers le mur. Beau gosse. Ah voilà, bizarrement, là ils sortent. Là ils sont sortis. Ah, du coup. Oh, belle! Ils viennent m'aider. Oh, on va les laisser. Enculez-le. Allez-y. Mettez-vous dessus. Voilà, bien. Je prends la gagne. Allez, reviens là. On va jouer ensemble. Oh. What? Merde, allez. Il va me tuer comme ça, fils de pute. Sans déconner, il a plus de vie et je vais pas réussir à le tuer quoi. C'est une blague. C'est une putain de blague. Il prend pas hein. Il prend plus les dégâts. Oh il a. Il a plus de vie. Il a plus de vie, il prend pas. C'est un truc de malade comment qu'il prenait plus un pet de dégâts. Heureusement que les autres ils sont venus m'aider. Hein. Jamais de la vie je le tuais si eux ils étaient pas sortis m'aider. Hein. Putain les mecs là, les trois là, vous êtes des boss. Vous êtes des boss les gars, je vous le dis direct. Le fils de plus de clown là. Vas-y, on va juste te faire enculer. Bien te faire enculer mon petit bâtard. Pour mettre full vie hein, de toute manière. Tout qui est dans la merde. Bon. Alors j'ai l'impression qu'il y a un truc. Ah, la bouteille de la vieille. Ouais. Faudra que je retourne lui donner. Dès que j'ai un checkpoint, on ira. Les petits cris au loin. Bien parce que il y a 5 minutes, j'ai dit, ah, j'espère que j'ai lancé ce truc pour me détendre et tout, Left of P. Il y a eu un gros connard. Ok, c'est bien Pinocchio, tu fais ce que je te demande après t'être fait niquer. Ça c'est un grand classique de Pinocchio. Tu vois l'ennemi, tu fais l'esquive, tu te fais toucher et après il fait l'esquive. Ou tu vas pour contrer, il contre après, tu sais, c'est un grand classique. Là, il devrait pas trop m'attaquer lui. Là, je vois où on est. Ok. Attendez. Ouais, je crois. On va voir la zone. Ah ça c'est bien ça. Du coup, on va pouvoir continuer par ici. Juste avant. Du coup. Pas de bêtise, raccourci sur la gauche là. Hop. Deux choses que je veux voir. Déjà, je passe par là-bas. Ça pue la merde. Et là en face, à mon avis, ça pue la merde aussi.
Mais bon. On va bien voir ce qu'il y a. Donc vas-y go, on va tenter, on verra bien. Ok, il y avait juste un truc. Bonbonne de décharge électrique. On reste ici, on attend un petit peu que le truc il s'en va et on va tracer de nouveau. Je sais pas ce que c'est et on va pas l'embêter. On va faire la même de l'autre côté, voir. Tout à l'heure j'étais juste de ce côté, donc le cadavre je crois. Là j'ai envie de voir, putain il y a un papillon déjà. On va leur rusher. Oh. Hein? Quoi? Comment il m'a tué là? J'ai. Alors. Ok. J'ai toute ma vie, d'un coup il me tue. Très bien. Très très bien. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Parce que moi non. J'ai pas vu comment j'ai perdu ma vie. Hein. Oulala, je l'avais. Ça c'est le... ça c'est bien ça quand tu tapes dans les murs que du coup tu te fais bien baiser et c'est le top. Par contre toi là-bas j'aimerais bien que tu viennes. Vas-y viens à moi. T'es comme tu l'as fait tout à l'heure. Donc là on rigole bien parce que... Il y a cet enculé là-bas qui va... Je sais pas comment me tuer d'un coup. Quelle belle zone. Pas où il est parti cet enculé de... Ah, impeccable. Il est débarré dans une belle zone. Enfoiré. Après ce petit raccourci, ça va être bien. C'est moi juste vous enculer comme il se doit. Alors, on va tous vous tuer quand même. On va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Et on viendra faire le... faire le putain de papillon dans l'autre sens, du coup ça sera beaucoup mieux. Allez viens. Viens 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 viens, putain j'ai encore plus de... Ah là là, tu me saoules là. Arrête de te barrer quoi là. Alors, obligé d'attendre que... Quand le... Quelle zone de mer, je peux pas l'enlever là, cette...
Cette daube au sol là, parce que c'est assez horrible. Du coup. Ah, je suis dans la merde. Ça monte même quand on est pas dedans quoi. C'est bien chiant cette petite zone là avec les trucs au sol. Du coup pour aller baiser le papillon ça va être une de ces galères. Alors que je refasse ce que je viens de faire là. Et après que je le poursuive en ayant clean full zone quoi. C'est chiant. Très 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 chiant, le truc qui va se passer ça va être bien chiant. Tiens alors on récupère tout ce qu'il y a à récupérer, vous voyez. Comme ça pas de surprise. Ah ok. Ok je viens de capter un truc. Si vous avez vu comme moi. Par contre. Regardez. Ah, boum, plus rien. Est-ce que ce mur, il n'y a pas moyen de le. Or, il est louche le mur aussi. Ah oui, et là on y voit mieux. Oh, plus clair, ok, ok. On fera donc comme ça. Donc ça va être beaucoup plus simple. Pour après, en ayant. Enlever tout le fumier. On passera donc de ce côté. On tuera tout. On aura tout clean, vous voyez. On aura plus cette merde de zone. Et après on pourra faire le papillon quand il viendra de ce côté. Ça va nous enlever. Bonne épine du yep. Bon, allez. On va quand même regarder là-bas. Même si j'en viens. Mais bon, le fait de tout enlever, peut-être qu'on voit quelque chose. Bon, y a rien. Ok, bon, go. Les filles. Allez, c'est parti. On va aller se faire le petit papillon. Là, hop. On va se faire sa copine. Là, tu vas te faire bien enculer. Toi aussi tu vas bien te faire enculer. Bon par contre tu vas venir. Là, je vais t'enculer. Ça c'est un lendemain de soirée très très difficile là ce que tu viens de faire. Et ça m'est pas arrivé je pense depuis ouh. Ouh très très longtemps. Pour vomir il faut y aller. Ou être sacrément fragile. Mais bon. Ça dépend. Là, bidon. Allez, viens, viens, viens. Tu m'as vu?
Là. Il me fait comme s'il y avait le papillon, mais le papillon est de l'autre côté, donc... Ah putain, ça revient cette merde, sérieux là? Vas-y, viens. Oh, là derrière. Oh! Arrête jamais! Il y a le truc qui revient au sol. Bizarre, tout à l'heure ça revenait pas. Ok, peut-être parce que il y avait des ennemis. Et du coup, tant qu'il y a des ennemis, on revient, vous voyez. Amplificateur d'alchimie. 30 facettes à créer. Ok, bon, en tout cas cool. Regardez quand même que l'autre côté il n'y ait pas un deuxième papillon. En fait c'est eux qui les font, ils remettent quoi, en place quoi. Des petits bâtards. Ah, viens toi. Lili lili lili. Allez, ciao. Ah, il y a bien un autre papillon. Il y avait deux papillons dans cette zone en fait. Ah, viens, reste avec moi toi, reste avec moi. Il va où ce bâtard? Oui. Putain, il se barre, il va se barrer, il va se barrer. Ça va. Ça va, donc on a fait les deux papillons de lumière. Ouais, c'est bon. Cette zone est clean, on peut passer à l'étage du dessus dans la zone que j'ai découverte et que je me suis fait un petit raccourci. On peut les laisser en paix, eux. On va se tuer quand même, elle. Et son mec. Ah, j'allais dire l'autre elle veut pas sortir là. Que tu sortes hein, quand même. Bon, j'ai 10 000 d'XP, je peux me prendre un petit level gratos. Donc on va pas se faire prier, vous voyez. On va aller à l'hôtel, prendre le petit level. Bon, pour l'instant, on n'est pas mort, ça s'est plutôt bien passé. Même s'il y a le clown en bas qui m'a cassé la gueule. Oh, petit enculé. Mais bon. J'espère que je peux upper mon arme, mais je crois pas. Merde, putain. Ah, ça me saoule, ça. T'as envie de prendre un level, t'appuies, elle te raconte sa vie, là, en permanence. Disons, on va se mettre un peu de vie. Qu'est-ce qu'il y a qui est peu tôt, là? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il y a, bro? Ah, I'm glad you're here, my son.
Have you seen that? Ah, c'est moi qui te l'ai apporté. I can't believe my eyes. It's almost as if something is growing out of the portrait. Mm. I remember commissioning that piece from an artist named D. Gray. Le nez. Like all artists, he was eccentric. He claimed that a painting could harbor a living soul. But how can that happen? Just like the fairy tale. Forgive a foolish man his ramblings. Perhaps the seed of its growth was there all along. I know you're curious, so see for yourself. I have my work. On le voit d'ici, le pif. Est-ce que ça se voit que j'ai un petit peu menti? You don't remember much beyond Rosa Isabel. Ask me about Arius. C'est le classique. Bon, est-ce que j'ai du quartz en entendant? Et puis la dernière fois. Et j'ai zéro. Donc, allez. D'ailleurs, bon bah ouais, le tableau il. Bon, ça prouve que je mens un peu quoi. Je suis un vrai humain quoi. On va récupérer les trucs de l'arbre. Vas-y, récolte. Hop. Je vais regarder si je peux upper mon arme aussi. Si c'est le cas, ben on va le faire. Parce que la faux, j'y prends goût, petit à petit. C'est surtout quand tu tapes, elle a de la distance quoi. Ce n'est pas le cas de mon autre arme. Putain, 3 sur 4. Pierre de lune sombre. Vas-y, ils vendent pas à l'autre là-bas une pierre de lune sombre par hasard? Je crois pas. Hein. Vas-y là. Pierre de lune. Pierre de lune sombre, ouais, si, il en vendait quoi. Je l'ai utilisé. Bon bah tant pis. Hein. Tant pis. Contre l'acte 7, là j'ai qu'un seul checkpoint. Alors, c'est vraiment tout dans cette zone et du coup il n'y en aura qu'un seul. Sinon, j'ai rien fait de l'acte 7. C'est possible aussi. Allez, bah let's go. C'est parti. Ah, bah oui, non, avant de partir là-bas. Quelle erreur j'allais faire. Quelle erreur. De téléporter. Acte 6. Début de l'acte 6, il y avait une dame à une fenêtre qui voulait du vin. Que j'ai récupéré tout à l'heure. Donc on va lui donner. Là sur la droite, là, juste ici. Dans ce bâtiment, donc il faut que je tue 2-3 petites marionnettes. Rien de foufou. Et juste là, on a la quête. Pendant que je vais faire ça, l'autre derrière il va venir m'enculer. Voilà. Par contre, la faute pour eux, c'est pas la meilleure arme. Hein. Il vaut mieux mon grenin électrique. Allez, tiens. Ah, lovely wee. Even in the bottle, it has a distinctive shade of red. Thank you, young one. Every step is a struggle when you have the petrification disease. But this glimmer of happier days is priceless. Oh, I almost forgot. Speaking of price, here's what I can spare. Please, take it. Pièce commémorative. Yeah. Pièce commémorative, bon en tout cas c'est pas un objet. Est-ce que c'est une amulette? Non plus. C'est mon ancienne amulette. D'ailleurs ça me fait penser que l'amulette là que j'ai elle m'a l'air un peu naze.
tiens, on va prendre ça. Permet d'avoir plus d'XP. Voilà. Une pièce reçue en remerciement, pardon. La part d'une vieille dame, la fenêtre, le visage de Venegi est gravé. Les pièces commémoratives de Venegi ont été frappées en quantité limitée pour l'anniversaire du fan club de Venegi. Et même les plats étaient de cartes. Est-ce que je pourrais la donner à quelqu'un cette pièce? On regarde peut-être. En tout cas, je peux. J'ai un dialogue avec la marionnette de Venegi. Donc on va aller la voir. On va aller voir le petit bougre. On va voir ce qu'il nous dit. Bonjour. J'ai la pièce du fan club de ton maître. Heureux les gars. Un bail. At the house of Venegi, even priceless things have a price. Every item. Voilà. Pièce commémorative. Strike a light. You found a commemorative coin dating from the founding of the Venegi Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well, once Master Venegi established himself as the Prince of High Society, his popularity skyrocketed. And his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venegi's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. Pierre de demi-lune. Ok. Merci. At the house of Venegi. Ouais. On va acheter les trucs hein, pour pas partir à zéro, vous voyez, niveau thune. Bon, bah, j'ai eu de quoi améliorer une arme. Et vu que je suis reparti pour améliorer celle-ci, vous voyez. Oh. J'espère que vous avez pas entendu ce qui se passe dans la rue, mais je pense pas. Vu que généralement on n'entend pas les avions de la base militaire qui survolent, les mecs sont, t'as l'impression ils sont à ta fenêtre et ils tapent le coude sur la fenêtre, ils te demandent ce que tu fais. Donc bon, je pense une fille qui crie, ça devrait le faire. Ouais, du coup on va pouvoir continuer enfin. On va s'être un petit peu éparpillé, droite à gauche. Il y a bien des zones encore où faut que je revienne en arrière. Je ferai ça en off, pas envie de vous embêter. On dirait le cirque. Le cirque. Was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Ouais. Alors, on va dire qu'elle est un peu dans le chaos là. Ah ça c'est impeccable, je fais en arme. Ça c'est bien. Très très bien même. Ça je m'en doutais que j'allais avoir beaucoup de... marionnettes. Ça sonne avec la musique, vous voyez. Peut-être mieux que je remette le gourde hein, pour cette partie, vous voyez, mais bon. On verra. On va essayer comme ça. Je me fais trop éclater, je repasserai avec le gourde électrique.
est largement au-dessus pour en tout cas pour eux quoi. La musique est déjà en train de me rendre dingue. Ils font mal hein, ces bâtards. Ils font bien mal. Génial. Oh. Génial. Je lui fais zéro dégâts. Je sais pas si vous voyez les dégâts que je lui fais. Contre lui, mais c'est pas les mêmes hein. En même temps. Dégâts de feu sur une Mario. Ouais, ça abuse. Ouais, il me tue. Hein. Il me tue, du coup, on va ça sert à rien de le combattre là en vrai. Surtout, il a une portée de dingue lui en comparaison de moi, tiens. Allez, viens. Viens faire le tour avec moi, mon pote. Ah ouais, en plus je suis obligé de repasser par là si je veux l'atteindre quoi. C'est assez chiant. C'est chiant. Hein. Et en plus il est très rapide. Je perds du temps hein. Tiens, incroyable. Incroyable les dégâts qu'il me met. On va repasser sur la matraque hein, pour lui. Matraque, hein, y a pas photo pour les mecs électriques. Enfin, pour les marionnettes, y a pas mieux que l'électricité pour les baisers. En tout cas, pour l'instant, vu que mon autre arme elle est que plus 2, pas dingue. Je peux l'améliorer plus 3 déjà. Enfin, on le fera, mais bon. Je
J'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas, vous voyez. Après, il faudrait que j'aille voir ici aussi. Allez, viens. Quand ça se fait que t'es tout seul, mon ami. Y'a pas photo, hein. Les dégâts. Y'a pas photo niveau dégâts comparé à tout à l'heure. Deux coups et c'est réglé quoi. Je vais juste aller voir là ce qu'il y a. Parce que sinon après je vais devoir. Je sens que je vais devoir revenir pour rien. Pourquoi tu pouvais pas faire de roulade Pinocchio alors que je voyais que ça sentait pas bon. J'imagine c'est un petit raccourci pour plus tard. Voilà, exactement. Un petit bâtard de l'autre côté, classique. J'imagine je peux pas rentrer par là. Voilà, bah, c'est classico. Moi, bon, il n'y a pas de regret. Je n'aurai pas besoin de revenir ici pour rien. Et donc, du coup, on va pouvoir éclater l'autre connard là-bas. Et après, on ira prendre les escaliers pour continuer. Quand on sait que pour continuer, c'est par ici. Là je commençais, je pense à mal jouer, je commence à avoir mon mal à la dent. L'anesthésie de ce qui m'a fait l'autre, ça commence à avoir plus faire effet, c'est assez c'est pas mal, il m'a bien démonté. Le bougre. reste par terre toi, s'il te plaît. On va réparer l'arme. Tu m'ignores ? Tu es sûr ? Sûr de vouloir m'ignorer ? Bah éclaté quand même. J'ai déjà plus de vie quoi. Sans déconner. Eh viens, 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 viens. Ouais, je peux avoir la caméra, s'il te plaît, mec. Merci. Tank, hein, le cochon. Tank. Ok, bien d'ailleurs. Ouais, en plus, lui il te met des trucs. Mon dieu, quelle angoisse. Deux doigts de partir et d'essayer de choper des bombes. Pas mal celle-là, Pinocchio. Bien, belle. Continue comme ça de taper à chaque fois dans des putains de murs. Tu vas voir, c'est parfait ça pour crever. Gourmandise que j'ai été. Évidemment. Comment t'as arrêté de...
Ouais. Bon, bon c'est fait, y a plus besoin d'aller le tuer, mais bon. Ça reste néanmoins bien galère. Bien chier quoi pour aller le buter cet enculé. Ok, ça me paraît bizarre qu'on va se barrer là, genre. Parce que il y avait pas mal de trucs à gauche encore et. Encore une fois. Merde quoi, comment j'y vais quoi? Je suis tellement dans la zone. Je sais pas où est l'entrée pour y aller. Et là j'ai l'impression que je vais partir à l'autre bout en fait. J'espère pas, j'espère que là ça va se rejoindre. On croise les doigts. Ça sent la zone à la con ça. En fait, peut-être pas, il y a le. Ok, ça me rassure un peu. Le cache y aller, en vrai de vrai. Au moins, c'est fait. Il y a des gros bâtards là-bas. Là. Je me sens en sécurité d'un coup. Je peux pas savoir à quel point. Ah, ça. On va ouvrir la porte. Voilà. Welcome. Allez, on va se soigner. C'était quoi en bas qu'il y avait là? Can you hear me? Really? Aviva, it actually worked. This has to be how the King of Puppets did it. How he called to the puppets and controlled them. I can't believe you can transmit your voice through ergo waves. What a brilliant discovery. And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo. A cry for help from the Grand Exhibition. Somehow someone survived. I'm suspicious too, but you have to investigate. What if it's some trapped innocent? Bon. Bon, bah, visite en haut, hein. Et on ira en bas après. Assez long ce chapitre 7, pas ce chapitre là. Ok d'accord, c'était juste ça le... Ben voilà, on a bien visité en haut. Mon dieu. Est-ce qu'on se teste ici en premier? Voilà, on doit être un sac de cul, donc on va passer par là d'abord. Mettons garde. Attaque-moi toi, vas-y. On rigole un peu. Là il fait pas de dégâts en fait. J'ai rien dit. C'est complètement abusé en fait ce truc. C'est complètement bugué. Putain d'ennemis de merde. M'étonnerait que ce soit un ennemi qui revienne pas à la vie, ça, vous voyez. Pour moi, c'est clairement un ennemi des plus basiques. Et donc,
puis on retourne au feu. Évidemment, il revient. On a bien rigolé là. Ouais. Sacré zone des merdes. Hein. Sacré belle zone à la con. Regardez-le là-bas, c'est pavané le cousin là-bas. Là. J'entends des bruits de patounes. Ah, putain, celle-là, je l'avais pas. C'est pute. Trop court avec cette arme. Ah c'est bon, lui par contre il te touche à Babeloued là, c'est bon, c'est bien chiant ça. Je le déteste. Allez, tu tapes encore contre les murs, hein, vas-y. On va le skipper lui. Allez, ça va. C'est bien, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre lui, quoi. Machin. Enfin, le trop court de ouf. Bien gavé. Allez, on va le faire repop pour le fun. Fils de pute. On va clairement le skip, hein, je vous le dis. Je me le refais pas encore une fois cet enculé. Où son pote à lui là. Alors ils étaient deux et tout seul. Enfin, bref. Allez, il était là. Bon, tu m'as pas vu, ta gros tas de merde là. Reste là-bas, fais-toi mimus tout seul. Tu m'as gavé, va te faire enculer. Allez, va niquer ta mère, mon sac à merde. C'est bon, les ennemis insupportables comme ça, c'est bon, nique. Juste nique. Ah bah c'est génial cette partie là aussi. Ah y'a le collègue aussi, mais c'est une belle zone de fils de pute dis donc qu'on a là. Ah mais alors, mais qu'avons-nous ici? Une zone de connard, ben oui. Ah, on s'amuse. Bonne zone de connard. Avec aucun truc
qui va les éclater, c'est génial. Heureusement ça l'a tué. On fait au moins un en moins. Là je rush sur le deuxième. Hop. Ok. Maintenant il y a ce connard là. Mais lui c'est pareil, hein. C'est un calvaire pour le tuer. Bah il m'a vu, hein, bah ouais. C'était un boss, hein. C'était un boss la première fois. Imaginez. À un point, je suis content de l'avoir tué comme ça. Ouais, il est bien, évidemment. Quand tu l'affrontes la première fois, t'es pas aussi bien équipé, mais bon. N'empêche que ça fait toujours plaisir de l'éclater plus vite que là. Oh. Que je vais me faire enculer par un truc derrière moi là en hauteur. Il s'est barré où? Il s'est barré où? Il est où ce bâtard? Putain. C'est une blague. Il s'est barré. J'ai envie de tout. Oh putain. Oh, j'ai envie de crier. J'ai envie de crier. Ah bah oui, c'est vrai, il y avait lui aussi. Une embarre, oui, oui, oui. J'ai galéré tout à l'heure pour le tuer. Ouais, vas-y, éclate-moi. Éclate donc, moi. À la portée du seigneur de Jésus. Toupi toupi avec toi j'aime jouer. Oh, mais l'allonge qu'il a. C'est excellent. Ça aussi c'est pas mal ça. Tu peux rien faire quand toi t'as tapé. Toi t'es obligé que tu crèves. Par contre toi ton allonge elle est digne d'une... une merde. Toi, t'as zéro allonge. Par contre, lui, il a une allonge de 6 mètres et demi, tu vois. Donc lui, il peut t'envoyer un bus dans la gueule quand toi, t'as une fourmi, tu vois. Donc forcément, toi, faut que tu sois dans sa poche pour le toucher. Quand lui, bah forcément, à 14 km, il te met une... te touche, quoi. Fait sacrément enragé, hein, le truc, là. Juste à des compétences, elle marche pas aussi. Quand vous mourrez, vous avez rempli le truc de fab. Ouais, lourd, putain, c'est bien ça. Tu meurs, est-ce que t'as ta fab qui se recharge? Non, je te dis.
m'a mis un coup, il m'a enlevé. Génial. Allez, viens là. Bye. Allez, meurs, putain, mais meurs! Quel enfer. Quel putain d'enfer. Ouais, du quartz. Allez, on va aller voir le papillon. J'espère que cette fois-ci je vais arriver à le tuer quand même. Il est où ce bâtard? Il est où? Niveau de technique. Technique. On va aller voir le marchand. J'étais sûr que c'était un marchand. Alors c'était sûrement lui tout à l'heure que j'ai vu. Et c'est pas du tout un marchand. Il manque un truc de marchand, tu sais, le truc je te parle et. Alors lui il est juste envie de t'enculer, tu vois. Passage de genoux. C'est à terre. Je t'en supplie. Arrêtez de tous vouloir me tuer et de me violer. Ah oui. Bah oui. Oh bah, il m'attaque pas l'autre là-bas là. Je suis très étonné. Bah reste là, reste où t'es hein, s'il te plaît mec. Ou tombe, j'en sais rien mais. Ah il y a même quelqu'un ici. Let's go. Est-ce que... On a un passage après. Ah ok, on avait une échelle. Don't come any closer. Oh. You're not one of them. Are you here to save me? Those grand exhibition jerks are not to be messed with. Especially after they took that drug. Then there are those biological experiments. Oh, how horrid. I can't reveal everything, but suffice it to say that I can escape on my own if you clear the way a bit. Please, wipe out all those mongrels. Lesquels? Y'a que ça des merdes. Y'a que ça, mec. Y'a que ça. Enfin, meuf. Y'a que ça. Y'a que ça. Des putains de salopards de merde. Si c'est les ceux d'en bas, je rigole parce que bon, vous voyez, si c'est les ceux d'en bas plus les ceux d'en haut, bon, va niquer ta mère quoi. Laisse-moi mourir. Lui il veut clairement nous casser les couilles. Allez viens.
Viens, viens, viens. Et mon pote. Voilà mon petit pote. M'en fous hein, moi tu me fais tomber, je perds pas trop de vie et... On va aussi hein. Par contre c'est chiant quoi. C'est chiant, me met des coups de pied de racaille à chaque fois. Hop, hop, bim la cheville. Quel truc de merde, je vous jure. Allez. On a encore de la vie, non pas du tout. Est-ce que je peux tomber à tout moment et me faire enculer? Oui. Exactement ce qui peut se passer à tout moment. Et j'espère que ça va pas se passer. Même si bon. Que j'ai fait l'autre connard et que j'ai continué, j'ai plus trop de potions et que je suis plutôt plutôt dans la merde, hein, on va pas se mentir. Je peux pas faire tomber ça là sur les enculés d'en bas et. Les baiser là. Ce serait bien. Hein. Bon, y a pas d'échelle, y a rien de l'autre côté malheureusement. Y a une échelle ici. Je vais voir la meuf. Ah bon. C'est très bien que c'est pas le chemin d'en haut qu'elle voulait. À ma vie, c'était le chemin pour aller en bas. Ça serait bizarre qu'elle me... que je cligne le haut. Alors. Please, wipe out. It'll be easier to breathe once that horrid Victor has been taken out. Once you're done. I'll see you at the hotel. On pourra respirer plus facilement une fois. Attends, vas-y. Une fois que cette horrible victoire aura été éliminée. Oh, en gros, c'est si je tue le boss. Parce que là, le victoire. Bref, on va voir. On va avancer, on verra bien. Et on reviendra plus tard. Hein. On va pas se prendre la tête. On va avec elle pour l'instant. On va voir. On ira pour tuer le boss. On va essayer déjà de clean un minimum cette zone. Faire des beaux petits raccourcis du ghetto. Histoire d'être bien. Voilà. Vous voyez déjà ça. Ça, ça va faire plaisir. On n'aura plus besoin de faire un tour de malade pour accéder ici. Là y'a un fils de pute à la scie en bas, tiens. Ah oh, tiens tous les clowns de connards. Oh y'en a bien au moins 1 ou 2, 3, 5 ou 6 qui vont se réveiller quand même. Toi là, du genre toi là. Toi t'es un bon fils de pute toi. Et toi aussi d'ailleurs. Et toi t'es un peu moins dans la même catégorie quand même. Et plus le cool, le mec sympa quoi du groupe, dans le fils de pute, tu vois, t'es le mec sympa quoi.
Et lui là-bas, là, tu le sens qu'il va venir essayer de me baiser la gueule alors que je vais descendre les escaliers les mains dans les poches. Pendant que t'as le mangeur d'homme là-bas qui essaye de... Ouais, c'est bon. Ah bah oui. Hein. Ah quand même. Voilà, donc on voit un peu qui se lève, qui se lève pas. Et comment vous dire? Ah, ça pue quoi. Bah, à travers les murs, ça c'est le classique. Hein. Attendez. Laissez-moi. Ceux qui veulent, venez. Voilà, descendez. Barrez-vous là, barrez-vous, vous êtes des fils de connards là. Faut pas que je veux juste tuer lui, tranquille, en dudu. Putain, j'aurais des grenades électriques, je peux vous dire, je vous les balancerai au pied là. Oh. Qu'est-ce que ça serait un petit plaisir. Ah, mon seul moyen c'est de rusher quoi. Passer par là et cavaler quoi. J'ai peur que si je shot... Mon petit Pinocchio se casse les deux patounes. Bon, bah écoutez, c'est mon seul, ma seule option. Pour les skip, là, ces deux connards. D'ailleurs, ça me fait penser que là, il devrait en rester un d'ennemi, non? Ouais, là, il y a un coffre. Il y a un truc à récupérer. On récup, on les laisse. Bien en haut. Ici j'ai zéro confiance aussi pour qu'il n'y ait pas un enculé qui vienne me baiser. Je veux juste un petit raccourci là pour me mettre bien s'il vous plaît. Oh bah oui. Tu le sens lui aussi hein? Tu le sens? Oh une énigme. T'as envie de mourir? Ouais. En train de galérer. Et toi? If your goal is to study the human condition, there's no better way than my riddle position. Allez, vas-y. Today's riddle will have you over the barrel. But get this one wrong, ah, oui, you will difficulté. Be in peril. So, answer correctly or tango. J'ai pas envie de me tromper. Listen closely and heed the king's speech or the answer to this one. J'espère pas me tromper ou quoi? Qu'est-ce qui doit cesser avant d'être utilisé? Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Qu'est-ce qui doit être cassé avant d'être utilisé? Un œuf. J'allais mettre un verre parce que j'avais pas lu le truc. Faut que je trouve une meuf avec les doigts de machin. Et pour trouver le passage quoi. Ouais. T'as vu dans l'état où je suis mec et tu viens m'attaquer. Ah je voulais pas prendre de risque. Hein. Je voulais prendre zéro risque. Ça m'a l'air d'être un ennemi de base le pire. Mais et voyez là où j'en suis, j'ai pas envie de crever et de retaper tout le chemin là. Non, 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 non. Clairement pas, non. Y a bien un truc que j'ai pas envie, c'est bien ça. Y a pas un passage là, un peu là? Ah, voilà. Le doigt. Tac. Clé de la Trinité. Voilà, impeccable. J'ai pas de vie.
qui me fait chier. Oui, bah oui. Moment je peux crever. Il y a l'autre bâtard là-bas. Et on entend rien dans le coin. On va pas parler. On va pas aller par là. On va se tenter lui. Hein. Et les mêmes watts. Ah, je veux qu'un truc, c'est un raccourci, un checkpoint, un truc quoi. Juste un truc. Pour me remettre bien. Parce que là, vu ma vie et sans potion, je vais vous dire, je suis pas à l'aise. Là, j'en entends rien enculé, mais je le vois pas. Il est là-bas. Il m'a l'air énervé, lui, il m'a l'air un peu psychopathe sur les bords, comparé à ses potes. Ah, c'est ça. Dans la merde. Qu'est-ce que je dois me retaper comme chemin? Oh, mais je vais les perdre. Hein. Je vais perdre l'XP. Hein. C'est indéniable. 13 000. 13 000 que je perds, c'est sûr. Je vais repasser par là parce que je repasse pas par en bas. Et ça, c'est une certitude. Ah, génial. Lui qui me. Que je perds jamais de vie sur lui. Maintenant, j'en perds. Oh, bah là, les 13 000, là, il y a mon avis. On va les retrouver. Oh, ça va être une belle galère sans nom. Ah ouais, avec zéro checkpoint à proximité et tout, le chemin que je. Oh là là, ça va être drôle. Ouais, en plus je choisis ce chemin, mais j'aurais dû passer par en bas en fait. Pas par là. Non. Je passe par ici pour éviter le combat par en bas. Les combats, mais je vais juste repasser par en bas là par contre, parce que là-haut j'avais oublié qu'il y avait toutes les marionnettes aussi sur le toit et tout. On va juste les câbles, l'autre il est pas passé, il est au fond, passer comme ça, vous voyez, faire un gros fuck à l'autre fils de pute là-bas. Là on a tous les fils de pute ici qu'on va skip comme tout à l'heure. Vont bien les se faire mettre. Elle vient m'attaquer. Oui, il m'attaque pas là, bizarrement. Bizarrement, il vient pas m'attaquer là. Ah si, maintenant il vient. Il fait des esquives en plus. Eh, laisse-moi là, gros connard, il me tue. Hein. Me suis le bougre, il a pas envie de me laisser.
Laisse-moi laisser. Yes, c'est bon. Bon, vie. Avec ton capéo. Crève un peu. Bon. Je demande si c'est des humains ou des marionnettes. Ça a l'air plus d'être des humains, vous voyez. L'autre là-haut, je sais pas du coup si c'est une marionnette ou une humaine. J'ai un doute sur sa composition, vous voyez. Donc, du coup, je reprendrai bien ma faux pour la tenter. Déjà, on va reprendre mon XP. Ensuite, on va la faire venir. Vas-y, viens où je suis. C'est pas grave. Chaque fois que tu mets le bouclier, tu peux être sûr que... des copains ou j'aurais pu... Merde. Juste merde. Ah, on peut créer un nouveau bras. On va pouvoir créer un nouveau bras. Ça c'est cool. Hein. Écoute, on prend. J'ai besoin d'aller en haut du coup. Donc là, on pourra juste continuer par ici. Alors. Guet-apens déjà, c'est une bonne chose. La clé. J'ai pas la clé. Ok. Cette zone, ça sent le... Il fallait que j'en dise plus. Ok, j'affronte Bane. Ok. Bah, viens par là, mec. Hein. Ça, il y a moyen de passer comme ça. Vas-y, le catcheur là. Ah ouais, bah ouais. Pinocchio, il est... Allez ! Esquive !
Oh putain, là, c'est beau s'il reste ça. Ah, c'est comme ça que je peux l'enculer. Bah oui, hein. Au bout d'un moment, pas... ah, je lui fais rien de dégâts, c'est dingue. Je pouvais pas le taper, j'avais plus de jupe. Comme d'hab. Vous voyez la barre blanche? Vous avez vu mon RT rester qui lui a mis tout dans la gueule et qu'il a pas stent? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive? Pas du tout. On l'a bien fait ça sur le boss, le précédent boss, hein, le roi des fils de pute. Hein, on l'a vu. Et la faux sur eux aussi, c'est ridicule. Hein. Et bon, vu que le jeu il a pas envie que tu puisses sauvegarder et retourner en ville avec tes thunes, t'as deux checkpoints dans le chapitre 7 et t'as fait 4 heures de jeu. Moitié des trucs, c'est que des gros connards comme ça, en plus que des gros tons. Bah, forcément, t'es obligé de les skip, hein, parce que... Laisse tomber les combats, sinon pour arriver là-bas, t'arrives, t'as une demi-potion. Ok, j'ai un peu le cas en même temps quand tu arrives. Ah oui. Tu veux bien, ah voilà, m'enlever le lock là. Appuie 10 fois pour qu'il te l'enlève, il te le laisse. Oui, certes, mais non. Du coup, bah, je me suis niqué une potion. À blanc, déjà, parce que l'autre m'a touché. Ah. 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 Ça, c'est impeccable. Allez hop, et comme ça on sent qu'il y a une deuxième, comme ça on arrive sur l'autre encore moins bien que tout à l'heure quand on a tué tous les ennemis. Impeccable. Impeccable. Est-ce que tu veux qu'il y ait un truc qui se passe moins bien que ce qui s'est passé là? Bah, je crois que c'est dur de faire pire en fait. Mon XP que je vais sûrement perdre vu comment ça se déroule. Allez, reviens-toi là, gros connard. Ok, bah sinon j'appuie sur des touches, c'est pourquoi. Bah pareil, j'appuie 3 fois sur la potion pour qu'il la prenne. Allez, bah non hein.
Ah quand même, là c'est pas fait là bizarrement. Et bah il va me tuer hein, il va me mettre 800 coups par terre. Allez, moi je galère à prendre une potion, ça passe. L'enfer. Qu'est-ce que c'est frustrant quand les trucs ils se passent pas comme prix. Mais le fait de que tout à l'heure j'avais mis le coup comme ça chargé et qu'il est pas pris, voilà, il a réussi à le prendre. Heureusement, parce que sinon je le tuais pas. Mais bon, tout à l'heure, voilà, il aurait dû crever et il est pas mort. Je sais pas pourquoi. Et là, ça passe. Enfin, ce raccourci, enfin. Pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Quoi Ah, j'arrive même plus à parler tellement. Bon, ça va rajouter du stock dans les boutiques. Tellement il m'a saoulé là les ennemis de la con. J'arrive plus à parler quoi. Bon, déjà que j'ai du mal. Allez vous faire foutre, hein. Je vous le dis, en tant qu'ami, allez bien vous faire enculer. Moi je vais retourner à l'hôtel, on va donner la, boîte au concierge. Et on va revenir ici et on va arrêter la vidéo. Je pense qu'elle a duré un petit moment mine de rien. Hop, alors. No matter what they're serving her, welcome to hotel. Tac. This is a supply box. Officially, I shall open it and add it. No matter alors, qu'est-ce que tu as de plus? Déjà du quartz. Achète. Ça, je te l'achète. Ça, je te l'achète. Et en fait, j'aurais plus assez pour me prendre un niveau. Voilà. Donc, en final, je prendrai pas mon niveau. Hop, et on va up ma faux. Voilà, la faux plus 3. Pierre de pleine lune complète. J'ai pas. J'ai clairement pas. Alors on va la faire passer plus 7. Plus 8. Donc là, celle-là, elle est plus 8. Et celle-là, plus 3. Et lui, il me demande une pierre de, course, quoi. C'est abusé. Et on va essayer d'acheter un truc à lui. Ouais, non, y a rien. Par contre, je peux fabriquer des... un bras en plus. Alors, c'est fabriqué. Là, je l'ai pas fait. Là je l'ai pas fait non plus. Ouais, on va faire ça, allez tiens. Ok, est-ce que je peux améliorer le mien? 4 sur 3, je peux l'améliorer au max. Voilà. Et petit succès au passage. Bras de légion le plus puissant. Atteindre du coup le niveau max avec un bras. Voilà, impeccable. On va mettre le quartz hein, du coup. On a récupéré. Normalement j'en ai deux. Ça fera presque une nouvelle compétence. C'est cool. Tac. Alors qu'est-ce qu'on va s'acheter? Augmente le nombre d'emplacements de ceinture pour être équipé. Non. Bah du coup le cube, je pense que c'est ce qui est le mieux. Alors, type d'attaque, qu'est-ce que j'ai en niveau 3? Être mis. Ok,
Ok, bras de légion. On augmente les durées. Ouais, bof. Survie, qu'est-ce que j'ai? Ouais. C'est bien ça. Les pierres à souhait. C'est quoi déjà les pierres à souhait? Putain, j'ai un trou de mémoire là d'un coup. Et sur les objets. Ça peut être intéressant. Chargeur de légion. Tiens, on va mettre ça. Voilà. Ah oui, la barre. Ah oui, ah oui, elle a pas qu'un peu. J'ai l'impression qu'elle a pris à mort la barre d'un coup. Avec la compétence. Tant mieux. Ok. Écoutez, on va arrêter la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez mon Instagram ainsi que ma chaîne secondaire. C'est une chaîne automobile que je fais avec mon ami. Les vidéos sont disponibles en 4K et pour faire un petit teasing de ce qu'on a posté actuellement comme vidéo... Il y a de la BMW M2, de la Honda S2000, de la Nissan 370Z, de la Porsche 911 GT3 992 et plein d'autres choses qui arriveront par la suite. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description si vous aimez l'automobile et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était N27, allez, ciao tout le monde, bye.